Bonjour, 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 comment vous allez? La globe trotteur. Maman. 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 Il y a des choses qui sont bonnes à moi souvent ce matin jusqu'à. On peut recruter comme ça. Non, ta nature est forte. Ta nature est forte. C'est parce que tu dis déjà comme la paix, qu'il y aura même la paix entre Flo et Coco. Mais ta nature est forte. Toi, tu peux aller jusqu'au boutisme, Tatana. Je te félicite. Maman, on peut faire ça. Et tu ne consultes même pas les protagonistes, tu déclares seulement, juste pour le mal, juste pour écœurer. Vous voulez déjà récupérer Flo pour mettre contre compresseur. Quelle compression a dit quoi qui est mauvais? Monsieur Messang a traité Flore de démon. La fille prodige, hein? La fille prodige. Il a dit qu'elle est démon, qu'elle n'est pas différente de Taha Doudou. J'espère que Anna, dame de Fakoche, a suivi ça. C'est ce que Monsieur Messang a dit. Qu'elle est démon. Vous voulez prendre le démon et forcer à être quand même dans le combat de Messang. Vous, là, c'est aveuglement que vous êtes en amour dans mes talents. Les mots sont lourds. Les déclarations lourdes, mais vous, vous êtes prête à renverser tout juste pour le mal. Hey, on peut faire ça, Tatana. Okay, regarde tout ça, je ris, je peux mourir. Et Flo a fait sa sortie, vous avez compris. C'est sa co. Alors sinon, c'est la, les co. Même si Compresso l'appelle Ngoï, 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 je ne sais même pas, patte de quoi là, on l'appelait pied de chèvre, tout. Elle ramène même tous les noms. C'est sa co. Vous comprenez quoi? Flo a tapé sec. C'est ça que des fois j'aime moi la fille là. Elle a la sagesse du village. Elle a demandé que. Elle a dit que son chantier là. Donc sachez que le litige parallèlement doit se cotiser. La fille là, elle est dans méta. C'est-à-dire que Flo, tu es comme Amek Amek, tu as compris méta. Attention, s'il vous plaît, cette annonce s'adresse aux passagers voyageant sur le vol Air France 342 à destination de Montréal. Nous allons commencer le pré-embarquement. Nous vous invitons à vous présenter porte N25 muni de votre passeport ouvert à la page photo. Ainsi que de votre carte d'embarquement. Au nom d'Air France, nous vous souhaitons un agréable voyage. Je vais à Montréal. La globe trotteur se dirige à Montréal. Maman, je sors du bas de l'Afrique. J'étais à 2 heures de l'île Malgache. 2h30 de vol. En bas, j'ai capturé la vidéo dans le vol pour vous montrer. 11h25 de vol. Je vais encore prendre 7h15 de vol. C'est facile. Il y a parlé, parlé, comme si on est même les mêmes choses. Je ne sais pas, vous chirez. Je vais aller la dernière. Moi, je n'aime pas courir. Quand on dit l'orange, je ne vais pas remettre debout. Je sors de 11h25 de vol. Donc là où je suis, c'est la dernière entrée dans la ville. Fais le Congo ça. Le guet est devant moi. Fais le Congo ça. Tatana, tu peux faire ça. Tu forces jusqu'à ce que tu dis que Coco, que Flo va faire la paix avec Coco. Et rêve. Flo a dit qu'elle peut faire avec rêve, la petite soeur de choix. Mais Coco, elle ne veut pas. Il ne faut pas forcer. Laissez que les paix, un jour, elles feront la paix. Mais laissez que ça vienne. Laisse que ça coule. Je sais que tu veux tellement prouver que ton monsieur sale est propre. Le roi du mal est propre. Tu veux tellement prouver ça. Eh, Tatana, il faut aller voir Dorcas. Dorcas dit que, oui, tu l'as appelé Ngoï. Tu appelles ta con Ngoï. Est-ce que Ngoï, c'est... Récupérer. Est-ce que mon passeport était où? Mon passeport était où, ma? Mon passeport était où? Est-ce que j'avais mon passeport ailleurs? Mon passeport était avec moi, non? Est-ce que j'ai mis mon passeport ailleurs, ma? J'étais en train de voyager, j'étais dans le vol, là. J'ai fait 11h25 le vol. Afrique du Sud, là. C'est en bas, en bas, en bas, en bas. 11h25. J'étais à 2h30 de l'île Malgache. Vous entendez là? Joburg, là, c'est en bas, en bas, en bas. Je me fais imbécile, les langues de petite soeur, où je suis leur petite soeur, je suis. Quand tu me vois, tu les vois, je parais plus vieille qu'elle. Les vieilles chouettes étaient à bloquer. Le Boza. Je suis à Paris, hein. Je suis avec Air France. Hein. Là, on va prendre, vous avez entendu, on nous appelle Air France, destination Montréal. Et mon passeport, Boza. Donc, on avait enlevé mon passeport. Flo, laissez Flo avec ses histoires. Vous écoutez la fille là. Vous écoutez Ngoï.
Ouais, a tapé sec. Elle a dit qu'elle n'entre pas dans le jeu, les filles. Flo a dit que vous allez faire ça seul. Composant, c'est sa cour. Voilà les gens. Ça dépend de la façon qu'il faut faire. C'est pas parce que Composant a dit Ngoyi que ça veut dire que c'est grave. C'est pas parce que Composant a dit qu'elles ont fait une guerre sans merci sur le temps. Elles ont fait la paix. Respectez leur paix. Oui. Et les audios, là, comme je vous dis là. Je vais en Corée du Nord. Les filles, là, qu'elles peuvent, parce qu'elles peuvent mourir. Il y a d'autres qui disent que mais la même. Elle fait comment? Est-ce qu'on a les mêmes villes? Voilà quelqu'un qui me donne les têtes de mort. Bonjour Nick, comment tu vas? Ton nom là est fort. Hein? Bonjour Larissa, comment tu vas, beauté? Je dis que compresseur n'a contenu Fonga. Compresseur connaît fait la guerre. Comprenez une chose. Nous écoutons des audios venant de Dorcas, des audios de Pam et sa femme, et venant aussi de compresseur. Il en ressort que quoi? Il en ressort que les fesses de monsieur Messanson à l'air. Parce qu'on découvre la méchanceté et le Congo ça a dû de ce monsieur tous les jours que Dieu a créé sur les filles de Meta, sur les jeunes, les femmes de la toile. Que les femmes aient. Le message, il laisse le message à sa soeur à 5h, à 1h, à 2h, que tu es sur le cocotier, il est sur le cocotier, il est descendu. Il est nuisible en somme de message. Et Composant était possédé. Il avait possédé Composant et il a harcelé. Il était obligé de suivre tout ce qu'il disait automatiquement. Ouais. Et s'il te plaît, les audios de compresseurs qui parlent même de Flore, parce que la paix avec Flore, les audios de compresseurs qui parlent même de Flore, Flore a dit que c'est sa cour, elle n'entre pas dans ça. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Flore a dit que c'est sa cour, elle n'entre pas dans ça. C'est pour ça qu'elle dit que Flore est Sandra Rose, Mamie Kante, Flore a la sagesse du village. Donc, quand ça a appuyé, tu dis oui, et tu dis ça. D'accord, tu l'appelles pas. D'accord. Quand vous voulez que quand Ngoyi entend ça, elle se lève, ça veut dire que Composant, toi et moi, niet. Flo a dit qu'elle ne vous sert pas ça. Flo a dit qu'elle ne vous sert pas ça. Vous comprenez, non? Les voix que vous êtes en train de mettre, c'est quand Composant était ennemi et c'est les voix de la femme. Ça veut dire que Composant ne laissait même pas trop de voix au grand frère. Composant donnait seulement les réponses. C'est le grand frère qui était très dans son affaire. Il insistait, il poussait à aller faire les clashs, il poussait. Et Composant laissait les voix à la belle sœur, à madame Ngo, vous l'appelez pas Ngo, tout marque dit. Wesh, laissez-le là. Donc, pour dire que tout ce que vous avez mis sur Composant n'aura pas de même. C'est-à-dire la même connotation que ce qu'on est en train de mettre sur Pam SMS. Il aurait dû se taire. Voilà. Et voilà. Les deux sont fautifs, Maureen. Je ne peux pas dire ça comme ça. Parce que mine de rôle, parce que mine de rien, la petite sœur, c'est juste que les deux sont dans une amitié de l'hypocrisie. Il n'y a pas de problème. C'est l'amitié. Les amis hypocrites, les amis en bandit, pour vous quoi dedans? C'est l'amitié. Est-ce qu'elle vous invite? Qu'on peut soit à l'aise avec sa cour, Flore à l'aise avec sa cour. Laissez-les. Vous quoi dans la sauce? Pourquoi on veut à tout prix recruter Flore pour tourner contre Composant pour que ça donne le poids? N'oubliez pas que Flore est la fille prodige de Messa. Mais Messa a dit que sa fille prodige est un démon. Qu'elle n'est pas différente de Boudou. J'espère qu'elle n'en a pas suivi ça. Dame de Facochère. Hein, Sandra, est-ce que tu as informé Dame de Facochère qu'on a dit que Ngoyi c'est un démon? Elle n'est pas différente de Boudou. On dit que Flore a fait le direct, elle dit que la chèvre, hein, elle a dit que Borosang et Grone sont avec quoi fait. Ou elle a fait un post, elle a fait un direct. J'ai dit que elle m'appelait Nathalie, elle m'appelle. Flore, c'est comme ça, c'est aller et retour. Un coup Ngoyi, comme moi-même, quand ça me pique, j'ai dit Ngoyi, il y a quoi. Mais j'ai dit que Flore était claire. Elle a repositionné sa maison et sa soirée. Donc c'est une fille qui chute avec quelque chose. Vous cotisez dans le litige et vous prenez les tables, même les ennemis. Voilà. Donc Tatana, vous prenez votre table pour la soirée. C'est ça qu'elle veut. Le reste, elle s'en fout. Amie, pas amie. Elle est enchantée, réalisation. Moi-même, j'ai perso sur un voyage d'opportunité. J'ai perso sur l'ami de perso. Tu fais une pâte, même si on se posait, elle était blanc. Ça chauffe pas. Ngo, que dit? Ngo, Bouma, Ngo, Tchodete. Ngo, Tchodete, soupe. On dit que c'est depuis l'enfance que la fille a. Bah, qu'elle ne connaît pas lire, elle ne connaît pas Facebook. Amour. On te colle quelque chose, tu dis yes. Oh. Je vais laisser le travail ou pour suivre le Congo ça.
Je vous dis encore, en analyse de la grande soeur, parce que si votre grande soeur, à vous toutes, dans vous toutes, la même mongue, Guigui, que vous croyez qu'elle était ma grande soeur, vous êtes même mongue à 51, tout le monde s'est positionné en bas de moi. Donc la grande soeur a analysé les directs de toutes les petites soeurs, grandes soeurs que vous êtes là. D'accord? Elle juge que compresseur c'est 1, mais sang c'est 0. Balle au centre, sur tout ça là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que compression s'est d'abord abstenue. Ce dossier-ci, les voix-ci devaient nous prendre depuis décembre. Elle s'est beaucoup abstenue. Nous devons applaudir pour elle. Applaudissez pour maman Pépé. Encore plus fort. Quelqu'un applaudit ça à l'école primaire. Attendez. Applaudissez. Encore plus fort. Encore très fort. Je ne peux pas effacer ce qui est facile. Les directs, ils vont signaler seulement. Maman, j'efface que j'ai peur de qui. Je parle ici, j'ai peur de quelqu'un. Je suis en Roissy. Oui. Applaudissez pour Pépé. Encore une fois. Et Pépé a le dos large. C'est une fille qui s'est fait la guerre. Fait la guerre depuis la nuit des temps. Elle a 10 ans d'expérience dans la guerre. Donc, il y a l'expérience et l'ancienneté qui comptent dans la guerre. Venez même à 1000. Elle vous attend. D'accord? Et moi, je suis avec Pépé. Moi, je suis avec Pépé. Vous voyez, non? Et moi, je ne dis pas que Facebook apprend à faire attention à tout le monde. Pépé s'est beaucoup retenu avant de verser les audios qu'on a entendus. Qui lave Tata Aline Zomobin. Ou Tata Aline, là, me choque, tu peux même pas savoir. Vous comprenez, non? Ou Tata Aline me choque, tu peux même pas savoir. Je soutiens Pépé aujourd'hui, demain et après-demain. Il faut que ça soit ça dans votre tête. Parce que je ne peux pas concevoir que vous forcez Morgidicus, vous voulez recruter, vous êtes déjà une armée, une bande de gens que vous êtes alignés derrière M. Saleté, pour ne pas dire vérité, ta vérité, ta propre. Vous êtes alignés derrière lui, mais vous voulez prendre encore même Flore a refusé. Vous comprenez, Flore a refusé, Flore a dit que non, maman Petit, garde au frigo les autres balles. Tu es timé, tu as la stratégie, c'est toi qui connais faire la guerre. Vous voyez, non? Maman Pépé, garde les autres balles. Quand on parle encore, tu nous fais rejouer ce qui a là. Parce que ce qui a là est beaucoup. On a cité Doudou. On a cité Tata Aline. On a cité Flore, que c'est le démon. Flore, c'est le démon. Je dis bien, Flore, tu es le démon. Et c'est ton papa, hein. Tu te rappelles qu'il t'a pris l'autre fois pour dire fille prodige. Quand Patou, mais il était la fille prodige de préserve moi. Il a dit que toi, tu es sa fille prodige, mais il t'appelle démon. Qu'il est avec toi juste par rapport. Il faut analyser, elle a dit qu'elle n'entre pas dans ça. Elle dit qu'elle n'entre pas dans ça. Elle, compétition, reste. Zoé dit quoi? Si tu n'étais pas à ta CCC, et je te rappelle déjà, quand j'ai pris ma CCC, j'ai pas pris compétition. C'était ma CCC. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait la paix avec Compressor. Je rappelle que Compressor, c'est une fille qui ne fait pas la paix n'importe comment. Elle a du caractère et une personnalité très forte. Je dis déjà en partant, la petite femme là. Donc moi, elle a décidé de faire la paix avec moi parce que dans le fond, il n'y avait rien. Voilà. C'est un peu ça. Elle n'est plus à quand ta réconciliation avec Flore. Oh là là, c'est pas quelque chose que je rêve. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui me faut laisser tomber. Je ne suis pas obligée de lui parler. On n'appartient pas au même diapason. Hein. On peut ne plus parler le restant de la vie, ça ne dérange pas. Voilà. On peut arrêter de sourire, c'est déjà comme une forme de réconciliation, c'est tout. Vraiment, camarade est un poison riche, c'est un vrai poison. C'est bon parce que sa petite soeur, la petite soeur de qui? Qui le met à terre. Comme ça, elle est partie faire la paix avec penser à nous autres qui avions fait le combat pour elle. Elle est partie faire la paix avec qui? Un Sandra. Ce monsieur fatigué des femmes sur Meta. On n'a rien à faire. Qui s'occupe de son cocotier, il nous fiche la paix, dis donc. Il dérange. J'ai dit que je soutiens Pépé. Vous avez compris quoi? Et Flore, bravo. Tu es sorti. Tu as dit que tu tues le coussin dans l'œuf. Flore, tu tues le coussin dans l'œuf. Tu as dit que Pépé, c'est ton ami. Donc, tout ce qu'ils vont dire là, c'est pour eux. Mm-hmm. Tata, là, tu veux seulement que Flore soit d'accord. Vous asseyez comme ça. C'est même 15 en train de d'atomiser Pépé. Pépé a le dos large. La déchetière, ça va tous les mois. Elle a détruit maman Pépé. Elle ne peut pas. Pépé a le dos large. Elle a le dos large comme moi. Les mots que Nadia, je n'aime pas, le dollage. Imagine que tu n'avais pas fait la paix avec Compression. Quelle aurait été. Et pardon, Flo, quand je vais te bloquer. Tu vois que je sais. Comme j'ai fait la paix avec depuis là, tu crois que je l'appelle même. Je suis. Quelle aurait été avec. Parce que Compression, c'est Dieu. Il faut arrêter tes conneries. Imagine que tu n'avais pas fait. Moi, je suis une personne. Je prends ma position par rapport à la situation.
paix ou pas paix. Je vous dis que je félicite Flore, pourtant c'est pas mon ami. Hein. Sandor, voilà ce que ces gens veulent, ça coupe. Soutiens ta soeur. Plus de 12 personnes sur elle. Je dis qu'ils ont recruté Flore les nuits. Il fallait voir comment Dorcas disait, tu la paix, Flore, quoi. Tu peux la paix. Que Dorcas a lavé Flore. Il suffit jusqu'à Dorcas a dit, Dorcas a dit, en train de caresser et baratiner Flore. Flore n'oublie pas. Hein. Mieux c'est la cause de Flore. Tous ceux qui sont autour de lui doivent faire attention. Il est trop méchant. Ce qu'il a fait à Tata Aline. Il y a Tata Aline. Il y a Doudou. Voilà les gens qu'elle. Et Flore même. Parce que Flore, c'était sa fille prodige. Il a dit qu'elle est. Elle est un démon. Aïe. Non. Un démon. Je vais très bien. Je viens de faire 11h30 de vol de l'Afrique du Sud. Son bas. Hein. Son bas. Je vous ai fait une capture. C'est trop long pour monter. À Paris, là, je suis à. Au gate de Air France, là, on va bientôt partir, donc je suis assise là, on commence à pré-enregistrer, je ne suis pas pressée, moi j'aime faire les choses en dernier, donc je suis là, au calme, voilà, je monte toujours dans l'avion en dernier, parce que si le vol n'est pas plein, je me positionne sur une très bonne place, c'est comme ça qu'il fait, et c'est pour ça que tu dois la détester jusqu'à insister chaque temps, détester qui? Elle parle même à qui? Facebook nous apprend beaucoup, Facebook, quoi, quoi. C'est bon à moi, c'est bon à moi jusqu'à, c'est trop bon à moi. On pardonne, mais on n'oublie pas. Uh-huh. C'est Dorcas qui m'a très déçu. Non, Dorcas, vous ne comprenez pas Dorcas. Dorcas, c'est une fille, elle a compris le buzz. Il y a Dorcas, il y a Amek Amer, il y a Flore. Il y a des gens hein, qui ont compris le buzz. Même Maman Pépé, elle connaît quand positionner. Les PCS vont aussi t'enregistrer là. Eh, pardon, j'en ai rien à foutre. Je cause au téléphone et personne. Ce que je dis sur Facebook, c'est ce que je pense. Partout est bon. J'ai peur de personne. Même Mémé m'a appelé il y a 2 jours. J'ai retourné l'appel à Mémé, je crois, 2 ou 3 fois. Elle n'a pas pu prendre. Peut-être qu'elle était dans les directs. Je n'ai pas peur. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense. J'ai peur de quelqu'un. On m'enregistre, on va dire quoi. Ce que je dis, c'est ce qu'elle peut dire. Si tu veux dire imbécile, il faut le dire imbécile ici. Pas les dire, pas derrière, venir faire. Flore, tu vas bien, fais pas ça. C'est pas hypocrite. La bouche de Dorcas, c'est ce qui a attrapé la vessie, cette affaire. Dorcas, Dorcas qu'on a appuyé. Vous avez vu comment Dorcas a dérangé Nicole Ketcha ici. Le monsieur doit laisser Meta. Il est vieux et souillant. Il faut dire ça à lui-même. Donc tu veux un gosse à joue les voix d'un côté. Donc tu veux. Non, je n'ai pas dit que je veux qu'un gosse. Chacun, mais en guerre. Est-ce que Perpétue va jouer les voix de monsieur Messin? Elle va jouer les voix qui l'incrimine. Est-ce qu'elle va jouer les voix qui l'incrimine elle? Maintenant, c'est à l'autre partie de jouer les voix. Et. Je suis devenu le tourbillon, je te bloque. Je ne suis jamais un tourbillon. Je soutiens Pépé Piang dans cette histoire. Voilà, il te bloque déjà, tu n'auras plus la chance. Parce que ne me mettez pas des mots que je ne suis pas. Je ne suis pas tourbillon, c'est un livre ouvert. Je dis ce que je pense. Je ne peux pas accepter qu'on recrute Flore en pleine nuit. C'était chaud hier. J'étais en embarquement, j'étais en salle d'embarquement. 20 minuit, 23h, donc ça s'appuie. Tata Naëlla, oui, machin. J'ai même coupé une partie de ça. Il faut que je poste ça avant de prendre le vol, avant de décoller tout à l'heure. Hein? Tu l'appelles Ngoï. Ngoï. Ils appellent. Entre démons. Flore n'est pas bête. Démon, Flore, mieux tu es le porc. Parce que hein, ton père prodige a dit que tu es le démon en personne. Que toi, tu es Ngalafis. Job group. Je vois la Black Beauty. C'est ma petite qui me met sur vos bancs des accusés. Tu fais quoi ici? Tu me mets sur les filles, là, viens m'insulter dans ton mur jusqu'à. Tu fais quoi ici? Hein, mais bio, quand ce monsieur insultait les femmes, mince, je pouvais mourir. Pépé la mique, K.O. Pépé, je suis avec toi. Je te soutiens. Aujourd'hui, demain, après-demain. Les gens vont penser qu'on s'appelle. Depuis que j'ai fait la paix à Pépé à Paris, je ne l'ai jamais eu au téléphone. La seule personne à qui j'ai parlé, déjà pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, c'est ma CCC. Cliente, copine, chou, la Greta Boss. Pépé, je ne l'ai même jamais appelé. Vous pouvez penser ce que vous voulez. J'en ai rien à tirer. C'est-à-dire, quand je ferme ma caméra, vous n'êtes plus existant. Je vous le vois qu'elle revient sur Meta. On a une relation virtuelle. Vous comprenez, non? Grand frère, petite soeur. Et quand Pépé fait jouer les dodo, non? Quand il dit un mot genre bonne nuit, elle fait bisous, elle fait bisous. Et pendant qu'il parlait, elle fait sorcier, Bami, Ngafi, elle fait les gestes pourris. J'ai dit que je suis avec personne. Tata Lolo a dit hier dans le direct de Nadège, on m'a dit, parce que je ne vois pas Nadège, elle est bloquée, je n'ai pas débloqué, qu'elle a perdu 2 alliés sûrs. Mais on a dit que, on m'a aussi dit que Rêve a dit qu'on n'était pas alliés. Moi, je n'étais pas alliés, j'étais sympathisant, mais Patoumel était russe. Parce que quand Patoumel avait dit dans son direct, c'est même pour ça que Black Beauty a bloqué Patoumel. Patoumel avait dit que nous sommes russes, on ne négocie pas. Désabonnez-vous. Elle est partie, elle tourbillonne. Il n'y a pas de tourbillon. Donc Patoumel était russe quand même.
on ne faut pas faire comme si vous allez vous faire rejeter. Moi, vous pouvez me rejeter. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis quelque part, je suis tout prêt. J'ai tout mon short. Dès que ça fait man, monsieur Ago. J'ai rendez-vous avec personne. Mais partout, mais était russe quand même. Il ne faut pas tergiverser là. Nadège a réussi à mettre Coco dans la poche. Non, je ne pense pas qu'elle a mis Coco dans la poche. Coco a son idée à elle. Coco trouve que verser les voices de quelqu'un qui était un grand frère, c'est mauvais. C'est pour ça que Coco parle comme ça. Coco, au départ, ne voulait rien. Ça. Comme moi, au départ, la Gutan, je l'appelais Gutan Jansan. Après, j'ai écouté une vidéo. Les gens changent. Les gens sont... L'homme est pervers, divers, ondoyant. C'est correct. Ce n'est pas Nadège qui met Coco dans la poche. C'est Coco qui analyse la situation et décide d'être là-bas. Il ne s'en dérange pas. Moi, j'ai une place. Je ne suis même pas Coco. Je suis seule. Même Black Beauty, je suis pas elle. C'est ma cousine, je sais combien de degrés là, mais je suis pas elle. Vous comprenez, non? J'ai fait mes choses une place. J'avais pas rendez-vous avec quelqu'un parce que le combat de ma famille que j'ai mené ici, je ne vois personne qui peut venir s'asseoir et dire qu'il parle derrière moi avec sa face. Il n'y avait personne. Donc, je regarde tout là. Elle connaît. C'est bon, moi, tout ça jusqu'à. La solidarité féminine est morte, mais un homme qui rabaisse autant de femmes et il a aujourd'hui le soutien des femmes, c'est pour le mal. Tata Nage, je vous ai dit que c'était pour nuire à Pépé. Il n'y avait pas autre chose, c'était juste pour nuire à Pépé. Est-ce que quand ils en battent pas, tu dis autrement dans le vol? Ah oui, hein? Je vais partir directement dans le vol. Quand Laurent va être couru, allez, la paix. En plus, les voices là, c'était avant la soirée, mais ils ont fait croire aux gens que c'était lors de la soirée. Nous, quoi dedans? Soutien à Pepe Roja. Elle a mis stop à Paris Jansan qui ne respecte pas les femmes. Oui, oui. Ne te justifie plus jamais. On ne gère pas. C'est bon à nous. C'est bon à moi jusqu'à. Ça dit que. Oh, sachez ma position. C'est bon à moi ce que Pepe a fait. Ouais, Seigneur, arrête mes bio. Parce que tu n'es pas avec tes soeurs. Bah, moi, je ne suis pas dans les soeurs. Arrête-moi tes choses des soeurs. Même quand on dit que Yamso, je ne fais pas les choses par rapport aux soeurs. Non, 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 non. Si c'était une affaire des soeurs, ce que Flo et Bami, Chang, c'est tout, ou Bami, okay. Mais non, tu me fais, je te fais. Voilà. Donc c'est ça. Waouh, wow, reine, mais je te donne les mots. Comme toute femme barante. Oui, je ne suis pas dedans. Je suis avec Pépé. Pour tout aussi, non. Pépé a bien fait la mille au père là. Tata Aline. Est-ce que Tata Aline méritait ça? Non, dites-moi un peu. La reine, mais tu n'as pas de compte à rendre sur ta paix avec. Pas du tout. Je dis que t'es personne là-dessus, je suis en paix avec Pépé, je ne l'ai pas encore appelé, je ne l'appelle pas parce qu'on s'appelle jamais, on n'a rien à se dire. On ne va pas s'appeler pour dire bonjour, c'était un appel de la paix, ça n'existe pas. Mais j'ai aucun coup avec elle. Vous comprenez quoi? Le vol va bientôt partir. C'est vrai, les gestes de maman Pépé est très rigolo. Je dis que maman Pépé fait quoi? Parmi trop, sorcier. Coco a juré ne jamais se tenir de grand frère. Maintenant, elle donne son titre. Oui, Coco, vous pouvez, vous savez, je vais vous dire, dans une situation conflictuelle, notez ça toujours de bon. Ça ne fait pas de tourbillonnage. Ça fait que quelqu'un analyse et il fait une deuxième regard. Il y a les regards critiques, il y a les regards, voilà. Ce qui se passe, c'est que Coco, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu le problème. Je vois que les gens partent. Je prends d'abord mon passeport. Oh, Seigneur, je vois que le vol me laisse ici. On va dire que j'ai alors beau en vrai. C'est un français. Les vieilles chouettes là. Parce qu'on a les mêmes, ou même le petit coupon. J'ai dit que mon coupon est tombé avec l'étiquette dedans. Maman, j'ai tellement des coupons de voir une voyageuse, mais les gens ne dorment pas pour mes bougies. Bon, je bouge ici, ne dorment pas. J'ai les Rwandais, les Égyptiens, les ceci. L'autre bout de mon coupon, oui, les gens. Un Français va me laisser. Je vais dire qu'il n'a pas trouvé l'autre bout. Vous voyez comment? Ça, c'est celui de bout. Carte d'embarquement de bout. Trop de cartes d'embarquement. Yes. Je m'en vais là. Pour beaucoup de gens, j'ai dit que j'ai fait le petit ticket si vous parlez de ça. J'ai fait les petits achats, un petit cadeau pour mon chéri ou mon fifi. Maintenant, je trouve pas l'autre bout de mon ticket. Mes gens, quand ils vont me laisser, ah, voici ça. C'est l'autre bout. Je vais enlever ceci. Je laisse que lui dans mon passeport au niveau de la photo. Oui, oui, vous dites quoi que j'ai perdu mon passeport? Une vieille chouette comme ça, une vie en chantier, mais quelques heures à vie. Parle à la fille d'Indé, mon frère. Elle rentre dans le vol. Il y a encore les gens, attendez, parle encore. On dit que quoi ici? Coco a juré, ne c'est pas grave. Comprenez Coco, moi, il la comprend. Waris, comment tu vas? Happy birthday. J'étais à Ekounou, j'ai trouvé Issoula. Blabu, tu es déjà abeille. Elle est abeille, Lolomania, sympathisant, quête de vue, tout ce que vous voulez. Et sauf moi, elle n'est pas dans mon team. Moi, elle n'est pas des teams. Moi, elle met le directeur, m'insulte, elle est là. Très belle coupe, merci beaucoup ma chérie. J'ai trouvé un barbier à Johannesburg, c'est lui qui m'a fait ça. Et cela est un Kundu. Elle a dit une fois, niette, même si sa copine a dit quoi, elle laisse sa peau
Donc laisse là avec sa peau. Yes, Flo, tu as coupé quoi? Non, j'ai aimé. J'ai aimé, Flo. Je t'ai dit. Flo, que si j'ai aimé. Tu es très belle. Merci, mon mari m'a dit ça. Pourvu que cette paix dure. Oui, ça va durer. Reine Mabu, ne change jamais ta ligne. Où est tout frère et soeur? J'ai changé que je pars où avec. Tu es très belle, merci. Laisse l'histoire des clans de Bamiyé qui est là. Je ne suis pas dedans. Qu'on me laisse. Rester dans la justice. Hein? Oui. Je m'arrive à mon chéri. Il me manque tellement. Mon chéri me manque. Les filles me manquent. Vous pouvez avoir un site blog, machin. Pardon, Flocan. Tu viens écrire ta maman ici. Tu n'as même pas partagé mon direct de blog. Tu bats alors là. Moi, je suis ici. Je suis ta page publicitaire. Tu es très belle. Coco est vrai. C'est pour ça que je dis que Coco a analysé. Peut-être que Coco, sa soeur, dit ouais, une soeur dépose un frère comme ça. Elle a vu les autres, ça lui a fait mal. Donc, c'est pour ça. Et ça ne dérange pas. Et demain, par contre, sa soeur, elle dit que non. Lui-même aussi, il a mal fait. Chacun a sa façon. Mais ne venez pas dicter. Ne recrutez pas les gens. C'est ce qu'on a fait. Le recrutement de Flo a échoué. Et Dorcas, c'est Dorcas qu'on a appuyé. Dorcas dit tu dis pour le sangui à ta. Bon, ça dit quoi là? Bon voyage, merci. Vous me chassez, non? La Canadienne, la globe trotteur. La femme qui est entre deux avions. Vous avez fait comment? Et qui est terriblement mariée. Pendant que les vieilles chouettes cherchent à être mariées avant 50 ans, personne ne les prend. C'est facile. Mariez-vous, on voit. Faites même le mariage, nous on va venir même. On va même donner des géants cadeaux à vos mariages là. Rien. Personne ne vous prend. Meuf. Bon voyage, merci beaucoup. Où sont les hommes de la toile? Allez récupérer, camarades. Ouais, Seigneur. C'est trop marrant. Mais la ligne est longue comme ça. Je vais encore aller m'asseoir. C'est quoi ça? M'asseoir ici au bout. Moi, je n'aime pas trop faire l'orang. Hein. C'est trop long. Il y a encore du monde. Le vol là sera plein. Hein. Ouf, on m'asseoir ici. Regarde seulement la ligne. Moi, je n'aime pas l'orang là. Trop long. On fait un prêt. Ils font un prêt. Comment ils appellent ça? Enregistrement à cause qu'on vérifie les passeports, voir ceux qui ont les faux papiers. Maman, venez te justifier, puis en disant que tu n'as pas. Non, je dois le dire, Marie, parce qu'il pense que, comme j'ai fait la paix avec Jésus, tous les jours je suis dans son téléphone. Je ne téléphone même pas Pépé, parce qu'ils ont dit, fais attention, elle va aussi t'enregistrer. Comme elle ne connaît pas lire, elle fait seulement les machines. Toi aussi, même Mémé m'a écrit ça hier, j'ai fiché le camp, je suis pas une gamine là. Si jusqu'à date, vous n'avez aucun enregistrement nulle part, j'en ai rien à foutre. Flore est une sage du village. Je dis que Flore, je respecte Flore. Pourquoi la vouloir la paix à d'autres et écarter certains dont le processus de paix était tordu? Avec tout le monde, sans être avec tout le monde. Yes, Flore a dit que l'ennemi même vient prendre la table. Donc moi, même là, si j'appelle, je veux une table à la soirée. La soirée de Flore, c'est quand? Toi que Black Beauty, c'est sa publicité numéro 1. Black Beauty, je t'ai vu là tout à l'heure dire. La soirée de ta mère, c'est quand? Bien, vous nous dites, on prend même la table. Elle a dit que vous les ennemis. Donc si moi j'appelle Flo et prend la table, elle va dire oui, viens, Borosangi. Elle va mettre sur ma table. Borosangi, tête de papin. La paix. Ouais, Seigneur. C'est Black Beauty, son agent publicitaire numéro 1. Parce qu'elle a son salon VIP là-bas. Ouais, vous me faites rire. Je suis avec Perpétue aujourd'hui, demain, après-demain, sur cette histoire. Je vous dis ça, Mora. Porte pas les gars. Je n'étais pas content. Il se désabonne. Non, je n'ai pas besoin. Vous voyez que je me justifie. Je leur dis la vérité. Moi, je suis un livre ouvert. Moi, je suis un livre ouvert. Le jour que je l'appelle, elle dit que j'ai appelé. Et pas peur d'eux. Il faut qu'ils sachent que je n'ai pas peur d'eux. Le 2 novembre. Ok, Black Beauty, c'est sa mère. Facebook est trop bon. Tu vois, quelqu'un atterrit quelque part comme un cheveu dans la soupe. Tu dis, oh, ah, oula. Elle est là. Le meilleur, c'est ici. Le meilleur, c'est là. Entre-temps, il y a les autres qui se passent. Elles ne voient même pas. La paix. La paix, oh, la paix. Moi, j'ai une vie équilibrée, je vous dis déjà. Équilibrée, carré. Je ne sais pas si vous savez ça. Quand je dors, je ronfle. Donc, j'étais à Johannesburg, les cadeaux de ça. Les cadeaux. Et je vais arriver à mon rêve détaché devant vous. J'ai tellement eu des choses. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas vu tout le monde. Oh, je reviens encore. Je reviens dans quoi? Maman, c'est long. Hein? 11h35 de vol. Tu es dans le vol jusqu'à tu as mal au pied, mal partout. Et bon, voici, je suis venue à Paris. C'est seulement 2h30 de correspondance. Et je reprends le prochain. Maman, j'ai encore 7 heures pour arriver à Montréal. J'ai dit que je vais m'asseoir dans le vol là. J'ai une position. Je n'ai même pas mangé. Hein. Quand je suis sortie, je ne veux pas que mon ventre soit ballonné. J'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai horreur d'avoir des besoins dans l'avion. Donc je suis moi comme ça, là, comme vous me voyez là. La paix. Bois l'eau. Bois le thé. Celui-là. Oui, c'est ça. Facebook est trop bon. Les gens sont encore avant. Ils doivent me presser, pardon. Ils ne peuvent pas me laisser ici. Souvent contre contrôle.
Quoi, c'est le passeport, visa, quoi. Moi, je suis au Canada. Je suis au Canada, dans mon pays. Hein, donc, j'ai aucun problème. Quand ils vont regarder mes yeux, ils vont voir que j'ai les poches, hein, monsieur, mais ça. Mais ta CC va se faire broyer par la nouvelle recrue. Qu'est-ce que tu penses? Vas-tu toujours la soutenir? Quelle recrue? La nouvelle recrue, c'est qui? Dis-moi un peu son nom. Maureen, c'est qui la nouvelle recrue? Moi, je ne sais pas. Tu sais que je ne suis pas tout. Hein. Entre mon séjour, que j'enjoye beaucoup de choses, je ne suis pas tout le Japon. Mais ma CCC, elle a le dos large. Elle est un peu comme moi, là. Le genre de femme avec le charisme. Elle compte sur personne. Moi, je compte sur personne. Une place. Mm-hmm. Et j'y avais bien réfléchi. Même quand ma soeur, si c'est cinquième degré, est arrivée, j'ai dit que j'ai refusé. Parce que je savais que demain, la probabilité pour qu'on te manque d'un sou, qu'on te trahisse est grande. Et la preuve, on est où? Voilà. Donc moi, je suis trop vigilante. Une place. La prière est très bien. Dieu aime la paix. Et l'amour de son prochain. La haine, c'est un complexe. Nouvelle recrue, c'est Lolo. Recrue comment? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils ont recruté Lolo. Ne dites pas ça comme ça. Lolo a une équipe. Elle a une team et elle a deux teams. Elle a la Lolomania, les Russes. Qu'elle le veuille ou non, elle est quand même... Elle appartient à ce mouvement. C'est elle la leader. Vous voyez? Donc, elle, s'il y a quelque chose, un choix à faire, elle va être avec ses leaders. Vous avez vu dans le direct de Tatana, elle a bien dit qu'elle a perdu deux alliés de poigne. Donc, partout, Mel et moi. Donc, elle reconnaît qu'on était... Moi, je suis sympathisante, mais j'étais là. Tu vois? Maintenant, moi, je ne suis plus là. Parce que justement, on m'a même d'abord évincé, d'abord en battant. Je force. Quand on a des rendez-vous sur mes temps, maman. Non, pardon. Ne dites pas que la nouvelle recrue, c'est Lolo. Non, il faut laisser. Moi, je pense pas. Lolo a parlé des gélules de l'autre madame. La Guita connaît la madame. Elles ont leurs choses qu'elles ont fait aussi le procès. L'autre madame est venue s'expliquer. Ça reste que c'est de bonne guerre. Des produits vrais, faux, moi, je sais pas. Chacun gère. Mais moi, je suis ma cliente. Hein. C'est, voilà. Manganda est avec qui. Vous savez que ma veuve. Mamonza était à l'anniversaire de Waris. C'était la marraine. La fiancée blogueuse d'État. On va rester, on va seulement attendre les retombées parce que l'anniversaire, là, son Congo, ça va venir. On va dire qu'on a doigté les gens là-bas. On a fait ceci. Vous connaissez, non? Bientôt, le Congo, ça, l'anniversaire va nous trouver sur Facebook. Je voyais les gens danser et rire. Je dis que, yo, tu danses comme ça, t'as mort. Ça va nous trouver ici, ça va sentir mauvais. On est assis par terre. Elles sont bouches. Moi, j'ai compris comment Meta fonctionne. Moi, j'ai compris. Et gens qui sont. On va aller me mettre là, maman. 11h30 de vol. Vous êtes sérieux? Dans l'avion, 11h30. Je vais encore prendre 7h. Ça fait 18h. Hein? 18h30 comme ça de vol, 19h. Hé, hey, ma viso, le damo, je te salue, chérie. Je te salue, mon amour. La globe trotteur. Maman, on a dit que je n'avais pas à saut final sur compresseur. Ah, quand ils vont faire quoi? Comme ça, le dolage. Comme ça, mener des batailles. Moi, j'ai confiance. Ces audios-là, non. Je suis à elle. Sur l'affaire de mes soeurs, je suis avec elle. Tu es pour la plainte de ma CCC. La plainte de ma CCC par rapport à Tatana... C'est que Tatana a insulté son entreprise. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus m'écrire, de lui dire, de faire aussi leur part. Mémé veut une plainte. J'ai déjà encore qui d'autres qui voulaient la plainte. J'ai aussi vu dans les directs des gens qui réclament. Moi, j'ai jamais vu que les gens réclament la plainte. Paris, là, vous ennuyez. Les gens réclament la plainte. Moi, je ne peux pas réclamer une plainte. Pourquoi il va prendre une plainte pour mettre sur moi, pour tuer mon temps? Mémé dit qu'elle a insulté les produits, puis elle veut sa part de plainte. Donc, je ne sais pas si ma CCC, je ne pense pas que dans la feuille de route de ma CCC, elle va se mettre à distribuer les plaintes à tout va. Mais sauf que, bon. Je pense que ceux qui ont les plaintes, ils ont même des ads qui vont cotiser pour aider. Donc les avocats même sont à payer, je suis sûr. Parce qu'ils ont trop d'argent. Elle mélangeant de compresser la plainte du Cameroun, ça chauffe sa tête. Elle t'a appelé la chèvre l'autre jour, cette veuve. Ça fait quoi? C'est mon nom. J'ai une grosse tête. Regardez. Le Congo, grosse comme ça. La crinière d'une lionne. Donc moi, il ne peut pas être la chèvre. On connaît c'est qui la chèvre. La tête est trop grosse et pleine de sagesse. Moi, je suis une lionne. Donc chèvre, là, ça ne me hait. Même tête de papin, tête de semoule, tête de tout ce que vous voulez. Il y en a foutre. Vous comprenez, non? Veuve est juste malheureuse. Moi, je vis mes rêves. Eux, ils rêvent leur vie. Elles sont en train de rêver leur vie. Elles, toutes là. Là où je sors, là, je ne sais pas quand elles vont aller. Et là où je pars dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Ce que j'ai à faire, moi, je suis sortie avec un portefeuille costaud. J'ai tellement de désenjeux et tout. Vous voyez que j'ai encore le temps de gérer vos pètes-pètes là. Peut-être au pire, je coupe un truc, je dépose, je continue ma route. Au pire, barou. Je coupe, je dépose, je continue ma route. C'est ce que je vais faire. Couper, déposer. Oui, on appartient pas au même diapason. Définitivement.
entre les vieilles chouettes. Les anciens bordels, les vendeuses de piment, l'autre était au comptoir, ceci, l'autre était au comptoir. Maman, on était ensemble. Pardon. On s'est trop mélangé. Maintenant, moi, c'est bon. Je suis dans mon couloir avec les bien gens. Ma CCC, perpétue dans son combat avec son grand frère, je la soutiens. Elle s'est beaucoup abstenue avant de mettre les voices. Moi, j'ai attendu le voice depuis décembre. Nous sommes en fin février. Waouh, perpétue, tu connais. Et elle connaît quand est-ce que passer. Voilà. Tu places tes voices, tu mets une partie, tu gardes l'autre. Quand il va encore faire maman, quand il va encore s'agiter, tu sors l'autre. Voilà. Elle a le caractère. Parce que tu dors, tu te réveilles. Non? J'ai confiance qu'elle ferme off Facebook, elle gère ses filles, elle gère son gars. Elle vous gère tout. Moi, comme je suis allée prendre mon voix, je vais voir mon mari, mes enfants, il me manque. Ça fait 20 jours que j'étais hors de la maison. 20 jours, c'est beaucoup. Voilà. Je m'en fous de vous. Vous avez parlé, ça va faire quoi? Une femme équilibrée, voilà. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu, c'est magnifique. Jean Lapèche, je te salue. Je te salue, comment tu vas? Moi, je me mélange plus. Hey, je vous aime plein d'eau. Hé, hey, Bahambet. Allez, avec ça loin. Allez, avec ça loin. Elle a du caractère. Une personne, c'est une femme, une petite femme. Avant, ils disaient petite femme forte. Elle a de la personnalité et du caractère. Donc, du coup, je sens aussi que les autres, ses adversaires, sont en train de vouloir casser. Bon, ils vont se battre comme ils vont se battre. Chacun sa vie, chacun sa merde. Moi, je ne suis pas dans la guerre des gens. Odéan, moi j'ai le dos large. Je suis des personnes. Vous venez même à 1000. Vous ne calculez pas. Que vous ignorez, vous ignorez. Bonjour Angela. Je vous ignore avec brio. Avec mes brio. Je soutiens Compressor dans ce combat des voices. Dans la bataille des voices. Tous les voices de Monsieur Messan seront nuls et non advenus. C'est les voices de que Compressor met là. Qui nous ouvre les yeux. On voit Akio. C'est un tyran. C'est un tyran. Oui, ma tournée, je rentre maintenant à la maison. Là. J'ai fait 11h25 de vol de Johannesburg à Paris avec Air France. Là, je suis à Roissy, là. Je suis en train d'embarquer pour Montréal. Voilà, je suis à Roissy. Ils vont dire que je ne suis pas à Roissy, que j'ai beau. Je suis sur le quai, je vais nager. Moi, il m'a dit qu'elle manquait le billet. Elle avait 200 euros, 50 euros. Vous êtes tout en train de mettre les gens dans les situations bizarres. Franchement. Flore est ta sœur qui aime bien, châtie bien. C'est l'amour de sœur qui vous dérange. Tu es la bienvenue à sa prochaine soirée. Que pian! Hey, Flore, imagine qu'un Kamkoulia. Si tu veux que je vienne à ta soirée, il faut que je vous explique. Parce que moi, je suis une star. Interplanétaire, j'ai déjà relié l'Afrique d'en bas en haut. Donc, ma table, tu t'en occupes. Mon billet d'avion, tu t'en occupes. Je ne prends pas de cachet comme toi. Mais ma table, tu t'en occupes. Mon billet d'avion, tu t'en occupes. Et ma boisson, tu t'en occupes. Mais je ne prends pas de cachet. Je vais t'offrir ce privilège. Voilà. Vous avez compris, non? C'est les agents de communication, là. Vous êtes là, non? Black Beauty est parti. Va dire à ta mère que ma table, mon billet d'avion et mon champagne que je vais boire, elle s'en occupe. Le reste, je m'en occupe. Je ne vais pas prendre de cachet. Je suis une star. Je décide de venir à sa soirée. Sa soirée va prendre une autre dimension. Il faut laisser. Mais elle s'occupe de mon billet d'avion, ma table et mon champagne. Vous payez tout ça, vous mettez là. Vous priez. Ha! Blague, hein? Vous avez dit que je suis opportuniste. Vous montrez l'opportunité. Pion. Voilà, on pète là. Intègre. Hey! Non, maman. Tu as un bagage intellectuel solide. Pas les mangeuses de capuchon. Maman, on pète jaune ou noir. Dans tout ce bois, tu as tort. Moi, je pense que c'est ta CCC. Hein? Qui a tort? Ah, dans tout ce bois, qui a tort? Moi, je m'en fous. Je ne suis pas le juge. Moi, je suis ma CCC, point. J'ai les bonnes raisons d'être avec elle. Je ne soutiens personne là-dessus. Voilà. Vous avez compris, non? Merci, ma reine, mes bio de rien. Je te suis depuis la Belgique. Je te salue, ma chérie. J'étais à Liège dernièrement. Coucou. Le PB est que. On ne comprend pas. Compressor. Elle n'a pas dit qu'elle était clean. C'est son grand frère qui joue les. Oui, oui, les messieurs propres. Merci, ma chérie. Donc, c'est lui qui a tout à perdre dans ce versement. Compressor, écoute. Si on dit qu'elle a dit Ngoï, elle disait Ngoï propre. Le port de Foucault est propre. Qu'on peut s'en porter par les gants. Voilà. Qu'on peut s'en faire écouter les voices pour montrer aux yeux du monde qui est vraiment ce monsieur. Oui, tout à fait. Je sens la paix entre nos soeurs. Dieu soit loué. Non, mon billet, Flo Magina Kinkam, je te dis ça. Petite soeur, grande soeur. Parce que tu sais que dans un secteur, tu as ma grande soeur. Voilà. Dans un autre secteur, tu vas petit soeur. Donc, mon billet d'avion, je peux exiger la première classe. Mais je ne vais pas prendre Air Transat, par exemple. Mon salon, ça dit ma chaise, et mon champagne, c'est tout. À ta soirée, on a dit que c'est le 2 novembre. Je vais regarder mon calendrier parce que je repars à Kigali. Et tout, je ne sais pas encore
comment ça va se faire. Je repars à Kigali, je repars à Johannesburg, j'ai des enjeux, voilà, et tout, une opportunité d'affaires. Donc je vais voir si tu vas fitter dans mon calendrier pour ton 2, machin là. Voilà. Voyez, non, attendez, je dois mon ticket. J'enlève mes lunettes, je vois bien mes yeux fermés. J'ai pas pris le papier. Allô, ça va bien? Ok, les gars. Mais là, c'est encore un peu. We'll be using, ça s'est coupé. Oui. Vous avez utilisé celui-là, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est ça que j'ai dit. Mais ça s'est coupé quand je tenais. Nathalie, merci bien. Oui, ça fait plaisir. Merci. Ouais. J'aime bien votre sourire. Oh oui, j'ai un sourire Colgate. C'est contagieux. Ouais. Oui. Merci. Vous voyez, il est dans le jaune, mais il est mon sourire. Voilà. Colgate est contagieux. Vous avez oublié, est gris, là. Il dérange les gens. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. D'accord. Merci. Alors, je vais vous laisser parce que le réseau va partir. Je vais un peu me mettre ici en attendant. Il y a encore un rang là-bas. Je vois que le rang se décante là-bas. Je vous parle encore un petit peu. Bonjour. Je vous parle encore un petit peu. Il y a un gros rang là-bas. Je parle. Vous voyez, j'ai un sourire Colgate, malgré que mes dents sont jaunes. Vous comprenez? Dents jaunes, dents ceci, dents cela, les vieilles chouettes. Il faut même 10 ans, elles ne bougent pas de là où elles sont. Dans leur promiscuité fermée, leurs appartements, t'es un là. On se trouve nous-mêmes, venga. Je vois, vous chirez. Une femme qui a des ailes gauche, ailes droite, ailes du mieux. Ma pépé a fini avec son grand frère. Hey! Maman, quand j'écoute ça, je dis, mon Dieu, ça fait qu'on doit avoir peur des gens. Hein. Si on doit avoir peur des gens, ça va être du genre, regarde, si tu vois quelqu'un sur Meta, tu dis, mon frère, ma soeur, tu fais attention. Hein? Les frères de Facebook, là, je sens la paix entre nos soeurs. Mais actuellement, c'est la team vérité qui l'emporte. Si Compressor avait versé ses audios bien avant, ça devait l'avantager. Je m'en fous des tarifs. Moi, je sais que c'est Compressor qui l'emporte. Ben, c'est monsieur Messanka qui a tout à perdre. Il y a quelques personnes qui s'agitent là comme team vérité, entre guillemets. Mais tout ça, c'est le tohu-bohu. Dans le fond, on a découvert qui il est. Par rapport à Tata Aline, c'est vraiment lourd. Par rapport à Flore, c'est vraiment lourd. Parce que Flore était venue sa fille prodige. C'est quand même injuste qu'il la traite de comment on appelle ça? De démon. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Maman Pété, voilà. C'est vraiment méchant. Si on tape encore bien ses fesses, elle va tout dire la vérité. Comme ça, on n'a pas besoin de... Oui, elle est comme moi. Une place. Moi, je m'en fous. Vous me parlez pas, ça me fait quoi? Pas de rendez-vous. Comment on prend mon vol là? Il va voir ma famille. Elle est bon, toi et ma famille. J'ai mes amis qui m'attendent. On a la soirée du 9 mars à Montréal. Ça se passe samedi prochain. Oui, 9 avec Bendeka. Conseil là. J'ai trop de choses à faire. De que j'atterris, je suis occupée. J'ai un rayon d'affaires pour un événement que je prépare au Cameroun. J'ai rien à foutre avec les pépettes de Facebook. Voilà. En fait, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour réagir. Elle assume et gère le retour. Que Dieu soit lui et que la paix règne entre nous tous dans le monde de l'honneur. Merci. Merci, merci. J'en parle, oui. La reine mère bio, je veux la même coiffure. C'est du réchauffé. C'est toi qui as la vérité. La coiffure, si j'ai fait ça à Johannesburg, j'ai trouvé un coiffeur là-bas qui nous a coupé les cheveux. C'était magnifique. Et ouais, je suis partie, je l'ai laissé là-bas. J'ai mon coiffeur à Montréal qui connaît aussi. Voilà. Tu es très vrai sur cette toile, m'en veux. Prends tes cœurs. Merci beaucoup, mon bébé. Je fonctionne avec la minorité, l'élite, la crème. Je suis suivie jusqu'à la présidence. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Compression gagne, c'est 1-0, balle au centre. Ils vont tous parler là. Tu sais, c'est les gens qui bavardent pour rien aussi dans le vide. Hein. Ça, c'est là, ils font les directs de 4 heures de temps. Voilà. C'est trop long. Voilà. J'aime ta façon de raisonner. Merci beaucoup, ma chérie. Quand tu aimes, tu partages. Il faut partager et dire aux gens, dans tout le tohu-bohu de la toile, cette femme, elle résonne bien, au-delà de tout. C'est important. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'il y a des gens comme nous qui sommes là, que ce n'est pas juste ces vocifereuses là. Ces filles qui sont en train de faire du bruit inutile. Qu'on sache que nous aussi, on est là. Voilà. Vous comprenez, non? Il faut partager. C'est important. Je suis à Roissy. Attendez, je vous fais voir. Là, je prends Air France. Vous voyez? Total Énergie. Je suis à, dans l'aile terminale 2E. Porte M25, on va me dire que non, c'est pas Air France. C'est écrit dessus, Air Nassam Nathalie. Ça n'a pas nagé dans l'eau pour aller à Baganté et à retrouver à Montréal. Vous allez dire que c'est pas ça. On vous connaît. Tout pour dénigrer. Dieu avec moi. Ils ont dit jusqu'à dire que quand tu prends le vol va même cracher là où tu es venu à la fête de Gouda. Oui, vous avez dit ça. Mais que Dieu vous entende. Tout ce qui se passe, c'est sa volonté. Vous n'avez même pas honte. Donc, toutes les choses que je suis venu faire à Paris, je n'étais pas dans les vols. Ce n'est que pour Gouda que vous avez déclaré que oh, ça devait faire. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. S'il décide que ça s'arrête, ça s'arrête. Vous comprenez quoi? Voilà. Bon voyage, merci.
Merci beaucoup, Marie-Rose, ma grande soeur d'amour. La vieille doit quitter la toile, c'est pas une bonne personne. Le vieux, il a coiffé à combien? C'était en Zatan, c'est ça. C'était en Zatan. La blogueuse la plus raisonnable de la toile, oui. Tu partages, tu dis, j'aime suite cette femme, elle est raisonnable plus que tout le reste. Tu partages comme ça, oui. Bon voyage, merci. Ça va se couper, hein. Je marche vers l'avion, elle parle déjà. Il ne faut pas qu'on ferme la porte sous mon nez.